dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous parlerons des troubles psychologiques chez les migrants, notamment les problèmes de santé mentale chez les requérants d'asile. Nous allons connaître quelles sont les causes, les symptômes et les conséquences de ces problèmes psychologiques dans leur vie quotidienne. Des études sur les requérants d'asile ont déterminé qu'être demandeur d'asile pendant longtemps met les personnes dans des situations de vulnérabilité et d'insécurité. Les témoignages qui vont suivre nous montreront le courage de certaines personnes pour surmonter les problèmes de santé mentale. Dans notre rubrique Carrefour Info, nous trouverons toutes les informations sur les services et institutions qui peuvent vous accompagner dans ces combats. Osjećam se kao u nekom vazduhu, da ne znam kud letim i gdje se nalazim u trenutnom stanju. Kad pogledam da sam inače svaki dan sve isto. A mentalni problemi su najviše prilikom pada Srebrenice. Možeš li da nam se predstaviš? Na ime se Idali Abdić, dolazim iz Bosne. U Švicarsku, evo sam već 7 godina u Švicarsku. Iz kog dela Bosne? Iz Srebrenice, iz jednog grada. Kakav status imaš? Pa trenutno imam Permin F, nezavisni statut. U svom ovom životu ima poteškoća i posljedica jako teški. Uzroka koje imaju koji su se dobili, neizbrišljive, to su uzroci od Srebrenice. To je nešto nezaboravljivo što se prošlo u toj Srebrenici i napokon uzroka ima, tako reći, više odavde nego u Srebrenici. Ja ovdje 30.10.2002. sam imao jedan udes koji je taj udes nanio mi 17 operacija. Le problème des requérants d'asile, c'est que ce sont forcément des gens qui ont quitté leur pays, qui ont fui leur pays, hein, donc qui ont migré, qui sont des migrants forcés, qui n'ont pas préparé leur migration, qui ne l'ont pas vraiment choisi. Les personnes ont pu avoir des traumatismes, hein, de guerre, de torture, de persécution, qui bien sûr les atteignent dans leur santé physique et mentale. Ça peut aussi être des problèmes plus banals, de difficultés de vie dans leur pays d'origine. Parfois, c'est des gens qui allaient très bien dans leur pays d'origine, mais dont c'est le fait d'avoir migré, d'avoir dû quitter des proches, leur maison, leurs habitudes, dans des conditions parfois catastrophiques et précipitées. C'est ça parfois qui les rend tristes, anxieux, angoissés. Ici, il faut venir avec quelqu'un qui parle français. Vous avez compris? Vous êtes sûr? Et puis parfois, ça peut aussi être simplement les conditions de vie en Suisse qui les rendent malheureux ou qui rendent leur vie difficile et puis qui peut avoir des conséquences sur leur santé mentale. Il faut bien se rendre compte qu'un demandeur d'asile qui arrive ici arrive dans une autre culture, premièrement, c'est quelque chose d'important, arrive... ou est confronté à une autre langue, bien souvent. Demandant l'asile, il doit évidemment s'attendre à une réponse des autorités, et cette réponse va être oui ou non. Et donc il y a toute cette période d'incertitude où le patient, ou le client, ou le requérant d'asile attend cette réponse. Et parfois ça peut durer des mois, des années. Ce qu'on appelle volontiers le syndrome de la boîte aux lettres. Ça veut dire que le patient, tous les matins, va ouvrir sa boîte aux lettres et attend une réponse. Et si c'est marqué Office fédéral des migrations ou une autre autorité, eh bien, c'est le stress total d'ouvrir la lettre et de se dire « si c'est oui, qu'est-ce que je vais faire ici ?» Parce que c'est pas si simple. Et puis si c'est non, eh bien, théoriquement, je devrais rentrer. Et donc, c'est toute cette pression, cette attente, cette incertitude. Le fait d'avoir une assistance financière plus que modeste, eh bien on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas offrir un café à sa copine, on ne peut pas aller voir un cinéma.
Ça, c'est aussi pénible, cette pression financière. Également l'inactivité, qui est à mon avis un gros problème. La difficulté pour des gens qui sont en procédure de trouver un travail. Les patrons ne sont pas toujours très ouverts à engager quelqu'un dont on ne sait pas s'il va rester employé. Peut-être qu'il va devoir quitter dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. L'autre ressenti, c'est peut-être des gens qui avaient une situation dans la société, une situation assez élevée. Professeurs, il y a aussi des gens qui évoluaient au sein de l'armée avec des grades élevés. Des gens, des informaticiens, des artistes aussi. Et puis tout à coup se retrouvent ici, justement, c'est toujours cette inactivité, et ce manque de reconnaissance. Et donc, bien sûr, un sentiment d'inutilité. Et tout ça en rapport aussi avec une certaine dignité. Je suis capable, imaginez par exemple un médecin qui aimerait continuer son travail, il ne peut pas. En tout cas, pas du tout facilement. Le statut de requérant d'asile empêche pour la majeure partie des gens de faire des projets. Comment peut-on faire des projets? Comment peut-on avoir une perspective lorsqu'on est dans l'attente? Comment peut-on commencer une formation? Comment peut-on développer ses capacités, apprendre bien le français, commencer à travailler? Alors vous ne savez pas si vous pouvez rester. Et vous ne savez pas quand vous devrez quitter le pays. Il y a un pouvoir d'adaptation du requérant d'asile qui est extraordinaire, parce qu'il le fait quand même. Il apprend le français, il essaye de chercher du travail, il essaye d'être autonome, il essaye de s'intégrer, tout ça dans un contexte où il ne sait même pas s'il va rester. Moi, je dis chapeau, magnifique. Posled se permina dovode u situaciju čovjeka da se guši, da čovjek ne može da krene nekim smislom koliko toliko ostao živ da bi učinio nešto sa sebe, sa terapijama, samim. Gdje god dođeš, to osiguranje ne plaća, to ovaj ne plaća, to. Boriš se sam sa sobom i Permin mi znači mogu da znam. Da znam gdje će mi se djeca školovati, gdje ću da koristim terapije. Jer moja Srebrenica je umrla, zato su mnogi suočeni sa tim. Il y a donc des facteurs dans les conditions d'accueil qui peuvent expliquer les problèmes ou les troubles qui peut-être sont la cause de ces troubles et en tous les cas ne facilitent pas leur guérison. Leur résolution. Hein. Pour ne pas parler technique, médicale, santé mentale, on peut parler juste humain. L'être humain a besoin du sentiment de sécurité. Voilà. Or, les conditions d'accueil ne donnent pas le sentiment de sécurité, dans la mesure où le séjour n'est pas garanti. La personne doit attendre des années et des années avant de pouvoir savoir est-ce qu'elle peut avoir le minimum, c'est-à-dire la sécurité du séjour. Vous voyez, il n'y a pas d'être humain qui puisse supporter de vivre dans un endroit en sachant qu'il va en être chassé un jour ou l'autre. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas dans l'histoire humaine, ça. Il y a des nomades qui savent qu'ils sont là et ils savent quand est-ce qu'ils vont décider de partir. Mais des êtres humains qui sont quelque part en attendant d'être chassés, ce n'est pas une condition humaine normale. Voilà qui peut expliquer. Deuxième élément, donc il n'y a pas d'anticipation de l'avenir. Deuxième élément, il n'y a pas de maîtrise du présent. Hein, de maîtrise du présent. Je m'entends, je m'explique. Les êtres humains ont tous besoin d'avoir un espace qui leur appartient. Voilà. Un espace qui peut être à l'échelle individuelle, j'ai besoin de ma chambre ou j'ai besoin de mon lit, à l'espace familial. Ma famille a besoin d'avoir des murs qui la séparent d'une autre famille. Ma communauté
a besoin d'avoir un espace dans lequel on parle la même langue que nous tous, on a les mêmes coutumes, on a les mêmes choses. Or, les conditions des migrants ici ne permettent pas d'avoir ça, du tout. Les conditions de vie sont des conditions telles que l'espace qu'ils peuvent occuper est un espace très réduit. On peut même dire analogiquement que ce sont des conditions carcellaires, de prison. C'est dans la prison où vous ne possédez rien. La cellule peut être fouillée n'importe quel moment. N'importe qui, vous pouvez avoir un voisin aujourd'hui, un autre. C'est ça les conditions de la plupart des migrants de la guerre qui arrivent en Suisse actuellement et en Europe actuellement. Voilà. Et ça, ça explique le développement des troubles, le sentiment d'échec, le sentiment d'humiliation, le réveil des cauchemars, des violences subies dans le pays. Parce qu'il n'y a pas le sentiment de « tout ça est derrière moi et maintenant l'avenir est devant moi ». Non, tout ça, je peux y retourner. Je peux faire demi-tour, chassé par des décisions administratives et retourner à l'enfer. Voilà les conditions dans lesquelles ils vivent. Les symptômes sont des symptômes qu'on retrouve dans toute la population. C'est souvent la tristesse, la dépression, la perte d'estime de soi. C'est une anxiété terrible, envahissante, qui paralyse les personnes. Il y a quelque chose aussi de l'ordre, quelquefois, de la dépersonnalisation. On ne se sent plus soi-même. On n'a plus maîtrise ni de ses pensées, ni de ses actes. Et accessoirement, chez une minorité d'entre eux, quand la vie est trop dure, il y a le recours à des substances, à l'alcool par exemple, qui soulagent un petit moment, mais qui aggravent à la longue l'ensemble des symptômes mentaux. Как все случилось тогда? По поводу транснационального нового состояния, jedno osjećanje čovjeka priča, mora da priča, osjećanje, vazdušno osjećanje, koje ne zna gdje se nalazi, kud pogađa, šta bi činio, šta bi radio. Parmi la population la plus touchée, moi j'ai un respect particulier pour les femmes et les enfants. Souvent les femmes qui ont moins de scolarité que les hommes, suivant les pays d'où ils viennent naturellement, elles deviennent plus facilement exploitables. La situation de stress, la précarité financière, les promesses jamais maintenues de quelques délinquants font que les femmes rentrent dans des circuits de mépris, d'exploitation, qui sont, à mon avis, intolérables. Parce que c'est les femmes qui viennent ici, au même titre que les hommes, ils ont droit à une vie protégée, au respect, à la dignité. Si je peux avoir un permis, avoir du travail, si je peux avoir mes enfants avec moi, pour être tranquille, peut-être je serai bien dans ma tête. Et je crois que ça va aller moralement, parce que je suis vraiment atteinte, épuisée. Moralement, je suis vraiment à bout de force. Ça me stresse beaucoup. Et puis, quand je réfléchis comme ça, je tombe malade. J'ai mal dans tout le corps. J'ai mal. Des fois, j'ai des crises d'estomac, les bouffées de chaleur, mal à la tête. Je ne dors plus. Je perds le sommeil. Donc, c'est tellement difficile avec moi. Si je peux avoir mes enfants, avoir du travail, peut-être ça sera tranquille, je ne sais pas. Mais je crois que ça sera ça. Et ce qui nous frappe d'une manière particulièrement forte, c'est que les enfants présentent des caractéristiques d'adaptation plus fortes. Par exemple, ils parlent plus vite la langue que n'ont les parents. Ils arrivent à se débrouiller, à comprendre les tenants et les aboutissants de la vie sociale. Mais en étant des enfants, ils ont aussi besoin de protection. Ils ont aussi besoin d'être aimés, entourés par leurs parents. Or, la détresse psychologique des parents, leur envie suicidaire,
la misère dans laquelle ils sont forcés de vivre, la précarité, les rend souvent négligents, inattentifs aux besoins de leurs enfants. Et sans leurs parents, les enfants se trouvent dans une situation de détresse, elle aussi intolérable. Da li tvoja porodica je preživjela nešto od ovoga i da li ona ima neke posljedice od svega toga što ti preživljavaš? Pa moja porodica se nosi sa tim posljedicama. Nešto malo ratni posljedica. Ojačana porodica je ovdje u Švicarskoj, da sam dobio dva sina tu i tako reći da sam suočen sa tim kolike posljedice moja porodica nosi, tako reći, više nosi posljedica nego ja što sa svim ovim trpim. Jel. Znam da nešto dajem mojoj porodici što možda ne zaslužuju nervozu, živice. Mada i oni vide da to ja ne želim to, da se otkrivam sa tim planom, ali tako ne ilazi, takva je sudbina i tako je moralo da se podijeli sa nekim to. Et quels sont les traitements pour s'en sortir? Je crois qu'on peut, que les soutenir dans leurs difficultés, les aider à traverser cette période qui, des fois, peut s'éterniser, d'ailleurs. Je crois que le fait d'être là, de les écouter, souvent, ils ont tellement peu de liens que c'est un endroit comme ça auquel ils deviennent très attachés. Je crois que les solutions, elles sont plus après d'ordre politique, savoir sur le plan social, sur le plan des possibilités qu'on pourrait leur donner de travailler, de pouvoir s'établir en Suisse plus rapidement pour avoir un projet de vie qui après leur permet de se reprendre psychiquement aussi mieux. La population suisse mériterait de mieux connaître les requérants d'asile, mieux connaître leurs conditions de vie. Je pense qu'on devrait plus souvent faire visiter les centres dans lesquels ils vivent, montrer vraiment aux Suisses qui sont ces gens, pourquoi ils sont là. Une bonne partie, en tout cas, de la population suisse ne sait pas grand-chose des requérants d'asile. Donc c'est vrai qu'ils en savent juste parfois ce qu'on en dit dans la presse. Mais je pense qu'ils ont une représentation un peu faussée des requérants d'asile. Alors que je pense qu'ils pourraient se sentir d'autant mieux si les contacts avec les Suisses étaient plus nombreux, plus chaleureux. C'est vrai que souvent les requérants d'asile se plaignent un petit peu de la froideur des Suisses. Il est évident que la situation de souffrance physique et mentale des migrants est due aux conditions pré-migratoires, aux conditions d'accueil, et que tout aussi longtemps que les conditions d'accueil ne changent pas, tout aussi longtemps que les migrants doivent rester dans des endroits plein de promiscuité, dans des dortoirs, ne sachant pas s'ils sont rejetés le lendemain ou pas, c'est évident que l'action médicale est minimale et que c'est une action plutôt politique, une action sociale. Mais le fait que ça dépend des déterminants sociaux, cette souffrance, n'implique pas moins que les médecins et les soignants ont une responsabilité extrêmement importante. À mes yeux, ce que les soignants peuvent faire, et qui vaut tous les médicaments, toutes les investigations, c'est une attitude de rencontre, d'accueil, de respect. C'est une attitude en terme, en sorte de savoir-être, qui leur permet de se mettre comme personne face à d'autres personnes, et qui sont différents par la peau, par la culture, qui partagent avec eux la même humanité, qui sont soumis aux mêmes risques existentiels. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, ça. Il n'y a pas de guidelines sur comment faire, mais il y a quelque chose d'une humanité que les médecins possèdent, et je l'ai vu d'une manière répétitive ici, mais qui doivent apprendre à partager avec les migrants. Thank you.
Alors, dans le canton de Vaud, la base du système de soins pour les migrants forcés, c'est l'infirmier de pratique avancée. C'est vraiment le premier maillon de la chaîne qui va prendre en charge 70-80% des problèmes de soins de ces migrants forcés. Et puis, il faut différencier le statut de requérant d'asile ou de personne proche de l'asile, émanant de l'asile, des personnes qui ne sont pas dans l'asile. Ces personnes, c'est les personnes sans papier, c'est les personnes qui sont, entre guillemets, dans la clandestinité. Et ces personnes, a priori, lorsqu'elles n'ont pas d'assurance, n'ont pas droit à un système de soins établi. En fait, dans le canton de Vaud, les personnes peuvent recourir à différentes structures, parmi lesquelles, en particulier, le point d'eau en ville de Lausanne et la polyclinique, ici, où nous sommes présents aujourd'hui. Ceci se sait dans la communauté des sans-papiers, communauté au sens large, et nous avons l'impression de répondre aux demandes, notamment le point d'eau qui voit à peu près 3000 consultations par année, et la polyclinique où nous voyons quelques centaines de sans-papiers chaque année, et ceci depuis le début des années 2000. De l'autre côté, pour ce qui est de l'asile, il faut différencier trois types de personnes émanant de l'asile. Celles qui font une demande d'asile et qui sont en procédure de demande d'asile rentrent dans le cadre de l'aide sociale. L'aide sociale, il y a un réseau, il y a des médecins, il y a des infirmiers et il y a un système d'assurance. Ça, c'est cardinal. Les deux autres groupes, ce sont ce qu'on appelle les déboutés de l'asile, ceux qui, à partir du 1er janvier 2008, n'ont plus d'assurance médicale et changent très souvent de lieu d'habitation. Et puis, les non-entrées en matière, ces personnes à qui on dit à la frontière « Nous ne rentrons pas en matière pour vos demandes d'asile parce qu'il manque tel ou tel document, par exemple. » Ces deux groupes, les déboutés et les non-entrées en matière, sont des personnes qui sont rattachées à l'aide d'urgence. Donc, c'est une prise en charge dans un système qui est moins étoffé que l'aide sociale. Mais le message, c'est que ces trois catégories de personnes émanant de l'asile ont la possibilité d'avoir des soins dans le canton de Vaud. Quand les migrants forcés présentent spécifiquement des problèmes de santé mentale, les entrées dans le système de soins sont les mêmes. C'est-à-dire que très souvent, il y a d'abord un infirmier qui va prendre en charge cette situation. Et cet infirmier va décider si on doit envoyer le patient, par exemple, chez un médecin généraliste, médecin interniste généraliste, ou chez un psychiatre, ou chez un psychologue. Les structures qui existent dans le canton de Vaud sont essentiellement, je dirais, appartenance, qui est bien connue, disons, dans le milieu de la migration, avec ces psychiatres et psychologues qui font un énorme travail, notamment dans le domaine de l'ethnopsychiatrie, et puis les services de psychiatrie qui se trouvent dans différents endroits du canton, par exemple à Lausanne, avec le service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier universitaire vaudois, du CHUV. Et ces différentes structures appartenance, services de psychiatrie de liaison, sont des structures qui vont référer, si nécessaire, à l'hôpital. L'hôpital peut s'appeler Cerie, l'hôpital ça peut s'appeler Nant, l'hôpital... Bref, ça dépend de où on se trouve dans le canton. Face à cette problématique, il est important d'ouvrir notre esprit pour comprendre l'autre et d'apporter des soutiens à ceux qui sont dans ces situations difficiles et douloureuses. Ernesto Rico, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous récupérez toutes les offres d'art qui se trouvent ici? Bon, ce sont des émigrants eux-mêmes qui nous les donnent. Donc c'est le patrimoine même spécifique au musée. Ce sont les valises avec des souvenirs sans valeur. Des émigrants, un vieil appareil de photo, une paire de souliers, un passeport périmé, une carte d'identité sans validité, bref, un vieux billet de train, des cartes postales du village, bref. Et puis, nous avons beaucoup de documents, de livres, de photographies qui se réfèrent à Charles-Ferdinand Ramul. Il a écrit une œuvre majeure qui s'appelle « La beauté sur la terre », qui est l'histoire d'une fille noire qui vient habiter le canton de Vaud il y a 70 ans, dans un petit village, avec toutes les implications liées aux problèmes actuels qui sont ceux de la xénophobie, de l'intolérance, même du racisme. Alors Ramul, il a anticipé ça. Et nous tenons ça comme notre élément principal muséologique. Nous travaillons essentiellement
pour la partie jeune avec des jeunes étudiants, élèves des écoles lausannoises. Et nous leur apprenons d'abord à comprendre que la Suisse a un patrimoine qui est très riche, un patrimoine culturel, un patrimoine social. Et nous sommes en même temps dans un vrai mouvement de balancier, d'équilibre, dans le sens de présenter, d'estimer, d'aimer, d'adorer leur culture, la culture de propre à chaque enfant de chaque pays différent qui vient ici. Nous vous rappelons que vous pouvez nous voir ou nous revoir sur nos sites internet www.alavistatv.net. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas notre rendez-vous mensuel. À la prochaine, à la vista! Nemana kele mana woyo mana kele la o kele mandi kani chuo nyundo ya.